Boulet. C'est bon, on met dans le taboulé. On va en mettre deux, je pense, ça suffira. Comme ça, on va préparer tranquillement notre petit taboulé. Et puis après. Et après, on sera pas mal, je pense. Pour un petit retour, c'est bien. Alors, verdict. Elles sont pas mal, hein? Elles sont pas mal. Elles sont bien charnues, là, ça va. C'est des belles cœurs de bœuf. Hop. Ah oui, je vais mettre mes pois chiches à tremper. Oh, c'est haut. Hop. Ouais, elles sont pas mal, hein. Elles étaient pas trop chères en plus sur le marché, donc elles sont pas trop mal. Hein. Et on dirait que l'iPhone a redécidé à faire des jolis plans là. On n'est pas repassé en slow motion depuis un moment, c'est bien. Moi, je pense aussi. Ouais, elles sont pas mal. Donc voilà, on va se trancher ça tranquillement. Un petit dé. On va se préparer notre petit taboulé tranquille. Voilà, on va mettre ça ici. On va ajouter. Hop. Ah, le coup de la perruque, c'est vrai que. Alors. Je pense que je vais sortir un couteau à dents. Parce que j'avais lu que c'était pas terrible de. Ça marche pas bien de couper les tomates avec un couteau sans dents. Et là, c'est vrai que. Les cœurs de bœuf faites pour les grandes surfaces sont très souvent en forme de grosses poires assez basses et dedans très peu de chair. Ouais, là, ça va, franchement. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Ça, je pourrais le mettre. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Je vais changer de couteau. Je vais prendre un petit couteau à dents. Enfin, un couteau à dents, ça va mieux. Pour couper les tomates. Et dedans, tu as très peu de chair. Ouais, ça va tout de suite beaucoup mieux hein, avec des petits couteaux à dents. Hein. Vous voyez, genre ça là.